Le corps d'Agnès n'a jamais été retrouvé. Ça fait plus de 20 ans. Il faudrait peut-être apprendre à faire le deuil de votre fille. Ma fille a été assassinée par Maurice Agnelet. Je ne peux pas laisser l'assassin d'Agnès en liberté. Je ne peux pas. Faites vos jeux. Votre mère a été retenue au casino. Vous avez fait bon voyage ? Pas regarder le feu comme ça, ça rend triste. Mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde ? Moi, par exemple. J'ai posé des questions sur vous. Vous savez, il faut pas croire tout ce que les gens disent sur moi. Je veux ce qui m'est dû, mais je peux pas racheter tes parts pour l'instant, j'ai pas les fonds. Votre ennemi, c'est Fratoni. Il demande des opérations de déstabilisation pour faire tomber les casinos de la côte. Un petit avocat qui a pas les moyens de ses ambitions. Pour vous, les gens sont vraiment que des larbins. Votre fille a raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux plus travailler pour vous, je ne serai plus votre conseil. Évite-toi de ce type, il est malsain, il s'intéresse qu'à ton argent. Je crois que j'ai une idée qui pourrait intéresser Fratoni. C'est un gangster, non ? Combien elle veut l'héritière ? 3 millions. Ok, si elle vote contre sa mère. Je vous demande donc de voter pour le renouvellement de mon mandat. Je vote contre. Qu'est-ce que tu fais ? Agnès, je vote contre. Fermez la boutique. Occupez l'entreprise. Une fois qu'on aura signé, Maurice sera la seule personne qui aura accès à mon compte. Quoi que tu t'imagines que tu viens de m'acheter, là ? Cette procuration ne changera rien entre nous. Je sais que Maurice n'est pas l'homme d'une seule femme. J'ai jamais demandé à être aimé, moi. Alors je vais pas jouer au mec amoureux juste pour te faire plaisir. Je suis désolée, j'arrive pas à me contenter de ce que tu me donnes. Ce type te rendra malheureuse. Tu n'as pas le droit de me laisser comme ça, sans nouvelles, dans l'inquiétude de savoir où tu es, ce que tu deviens. Je demande pardon. Maintenant, je veux un sourire. Un vrai.